Voilà, nous retournons pour nous entrer dans Virtual Guitar Jam. Jodia, nous pourrons jouer avec Rodrigue George. Je suis haïtien. Je fais un paquet de temps Bahamas. Tu as joué dans pile club. En pile, et surtout jazz club. Yo. Et je suis un jazz player. Là, moi, je suis un jazz player, c'est-à-dire que je fais un piece, mon jazz, je fais trois albums que je fais, ce n'est pas l'album qu'on pas créé. Voilà, donc nous avons différents guitaristes, toute tendance qui passait. Nous avons un pile qui joue rock. Et dernièrement, la semaine passée, je jouais avec Jay Palmer, qui est un tête chargé rock player. Je suis un rock player, je suis un technicien tout. Eh bien, Jodia, c'est ma présenter nous, haïtien, je suis haïtien. Je suis Rodrigue George, je suis un jazz player. Mon jazz player, je suis un jazz en pile, qui est un excellent player. Donc, et sans plus tarder, on nous passe la vidéo à la Virtual Jam pour nous regarder Rodrigue George, Jodia, qui a joué avec Ralph Condé. Bonjour tout le monde. Bonjour Ralph. Mon cher Messampil, pour l'invitation, c'est vraiment un honneur pour moi pour participer dans la Jam Session. Moi, je n'ai pas gagné l'expérience dans la question qu'on parle. C'est haïtien, nous démêlons, mais je n'ai pas gagné l'expérience. Pas très connu dans le milieu. Carrière professionnelle, j'ai commencé à Bahamas. C'était plus genre calypso, reggae et smooth jazz. Je fais un bon temps, j'ai joué Paradise Island, j'ai joué Ocean Club. Moi, sous troisième album que nous sortis, premier c'était Nearby, c'est une tendance smooth jazz qui jouait sur le rythme des Caraïbes. Il y a un deuxième album, c'est genre reggae, et troisième album non, c'est un album que me fait en hommage à tous les musiciens haïtiens qui colorent vim avec musique d'une manière ou d'une autre. Et là, on va parler de un peu de musicien, parce que tout musicien haïtien a gagné un cœur. C'est ça.